Plusieurs associations et partis politiques marchent dans les rues de Bamako pour soutenir le régime putschiste d'Amadou Aya Sanogo. De nombreux jeunes maliens se disent favorables au coup d'État. En tout cas, on ira jusqu'au bout, même s'il faut notre sang. Les Maliens ont déjà donné leur sang pour le Mali. Même s'il le faut le refaire encore, on le fera, Inch'Allah. Pour les partis politiques qui souhaitaient le départ d'Amadou Toumani Touré, aujourd'hui, le combat est gagné. La seule solution était le coup d'État. Merci. Et c'est une solution qui est arrivée tardivement d'ailleurs. Nous souhaitons, nous soutenons le comité militaire de redressement. Voilà. Nous soutenons toutes les forces qui sont prêtes à faire du Mali une vraie démocratie. Vive les capitaines, vive l'armée malienne, abattez-té. Dans un communiqué, la Convergence patriotique pour la défense du Mali affirme son soutien indéfectible à la junte. Au lendemain du putsch, Oumar Mariko, un des leaders de l'opposition malienne, crée le mouvement populaire du 22 mars. Aux révolutions de Messenou Mounou, ni Finitou Mouna. Le mouvement MP22 est un mouvement politique qui regroupe des partis politiques et des associations de la société civile. Ce mouvement a été lancé comme pour répondre à la déchéance de la démocratie en République du Mali, démocratie qui a été fourvoyée pendant les 20 ans de pratiques démocratiques qui n'ont jamais respecté la Constitution du Mali, qui n'a jamais respecté le peuple malien dans ses aspirations les plus profondes. Qui garantissent également l'exercice de la démocratie et le respect des libertés dans notre pays. Bien que dans les principes, ensemble nous condamnions ce qu'on appelle le coup d'État, mais nous estimons que ce coup d'État était salutaire pour Mali pour laver la honte selon l'humiliation que nous avons ensemble subie. Une nouvelle constitution de 70 articles est écrite par les mutins et lue à la télévision nationale, l'ORTM. Elle devrait rentrer en vigueur au moment de la transition. De son côté, la CDAO tient mardi à Abidjan un sommet extraordinaire et condamne le coup d'État. Une délégation est attendue ce jeudi à Bamako.